Dieu, acclamez mon Dieu, acclamez mon Dieu, acclamez mon Dieu, acclamez mon Dieu avec tout le monde qui soit. Nous battons au bon Dieu, nous jouons à ta roulie, nous battons au bon Dieu. Parce que l'idée de ça, l'éternel a fait entrer dans le temple. Car Jésus qui a montré, nous battons au bon Dieu, nous battons au bon Dieu. Nous glorifions mon Dieu, nous glorifions le bon Dieu. Quittez mon Dieu, entrez dans la vie, nous connaissons. Quittez mon Dieu, entrez dans la vie. Quittez mon Dieu, je nous connais dans la vie. Oh, oui, pour la vie, Jésus qui a entré. Oui, pour la vie, Jésus qui a entré dans l'esprit. Oui, pour la vie, ma douce, à l'oubli, pour la vie, pour la vie. Parce que Jésus a frappé, Jésus a frappé dans votre cœur, il a frappé dans votre cœur. Il veut entrer la caillou, Jésus veut entrer la caillou, Jésus veut entrer la caillou. Il nous va gagner, il veut communiquer avec nous, il nous va gagner, il veut tout assoyer, la réalité au Canada, nous piquons au Cognac. Que Jésus va continuer à parler avec nous. Oh, Jésus va continuer à parler avec nous. Encore nous saluer au nom de Jésus. C'est vraiment un plaisir pour nous, pour nous capables ensemble avec vous. Oh, cette année, pour nous capables de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, adorer ensemble avec vous, prier ensemble avec vous. Et vraiment, je suis content pour ça que Dieu fait dans la vie. Nous. Et nous bâillons Dieu gloire pour ça, nous glorifier nos bons yeux. Et dis bon Dieu merci à tout cœur, à tout nom. Pour ça le faire pour moi, il augmente la joie, il augmente l'appétit. Et il prouve que, il montre que le prouve le mystère. Et nous dit mon Dieu merci pour ça. T'as passé un côté, moi t'es ouais, une petite pensée morale. Et qui écrit, il dit pour ça, un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat. Ça fait pas capable de remercier notre bien-aimé pasteur Valsin et nous remercier la famille en général. Nous remercier l'église qui t'avait été trouvée et d'accord avec nous. Et pour plusieurs d'entre nous, nous avons toujours entendu non, Pasteur Charles, mais nous avons vu un visage là. C'est une bénédiction pour le visage au front et ensemble, parce que la Bible a enseigné nous ça, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur les pâtes. C'est là, oui, mon Dieu voyait bénédiction. Oh, la vie en abondance. Oh, que la vie, les frères et sœurs réunis ensemble pour chanter. Que la vie, les frères et sœurs réunis ensemble pour chanter. Et la Bible a dit, que deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Ça fait comprendre que mon Dieu n'a pas de plaisir. La quantité. Mais mon Dieu prend plaisir dans la qualité. Jésus même qui dit ça à Boucher, côté deux ou trois sont assemblés. Je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on était convaincu que Jésus au milieu de nos souhaits? Oh, si Jésus, puisque Jésus au milieu de nos souhaits, a tout fait cœur content. Pas tous les jours vivants. Pas tous les jours vivants. Sans bien chercher. C'est pour jouer au nom de Jésus. Les mêmes, on nous dit merci. Seigneur, nous dit merci Seigneur. Oh, après que nous finissons, Père Géa qui t'a parlé avec nous, after we finish, j'ai l'impression que pas ta gagné un autre message. It's in our story, gospel for seulement for tonight. À travers exposé, à travers message. Across the message. Que berger a se communiqué poussé du Saint-Esprit réaliser que l'homme a un grand besoin. I have a big need. Et chaque monde qui l'a and each and everyone here ou qu'on grand besoin. I have a big need. Qu'on bagaille besoin en pile en pile. There's something you need a lot. Qu'on bagaille qu'on va chercher en pile en pile. There's something you're seeking for. Assurément. Truly. Soit cherché. What you're seeking. C'est le bien dont tu veux. It is what God. Soit en besoin, oui. What should be. C'est dans volonté, mon Dieu. It's in God's will. Ma première. Partager verset ça ensemble.
I'm going to share this verse with you. Acte 16. Act 2. Act 16. Verset 31, verset 32. Verse 31, 32. Alors, pour contexte, nous avons lu verset 30, privé dans verset 34. To make it complete. Mais brachez non, moi lis verset 31. But I'm taking the time, so côté, verse 31. Paul et Silas répondirent. Well, Paul and Silas. Croyez au Seigneur Jésus. So they said, believe on et the tu seras sauvé toi et ta famille. And you will be saved, you and your household. Crois au Seigneur Jésus. Believe on the Lord Jesus Christ. Et tu seras sauvé toi et ta famille. And you will be saved, you and your family. Et verset 32. And verse 32. Et il fut et il lui annoncèrent la parole du Seigneur. Then they spoke the word of the Lord. Ainsi qu'après ceux qui étaient dans sa maison. To him and to all who were in his house. When I look at this passage, I'm looking at what the message of the pastor is. I feel like l'homme, man, en général, general, has a big need. And across this big need, I ask the question, quel est le plus grand besoin de l'homme? What is the biggest need of man? What is the thing that men need the most? Truly. And this world that we live in. And this, this town we live in. It's the way the world is designed. There's something that men need. Et quel est le plus grand besoin? What is the biggest need that men need? L'histoire racontée. The story said. Paul et Silas, that Paul and Silas, they were enchained in prison. They weren't in prison because they were thieves. Now they raped somebody. Now they fought with somebody. They were in contradiction with the police. But they found themselves in prison. Pour la simple raison, for the simple reason, parce que ils étaient d'accord pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Because they accept to speak the truth. Et puisque ils étaient d'accord pour prêcher l'évangile, because they accept to preach the truth. Jalousie était poussée. Jealousy was pushing. Et mignon pour eux, j'étais en prison. The enemy to take them to prison. Et mignon pour eux, and mon Dieu pas quitter eux seuls. God didn't leave them alone. Ou peut-être ou même toi soya. Maybe you. Car je suis dans une situation très difficile. You might find yourself in a garantie. And a situation. Mon Dieu pas quitter eux seuls. But I guarantee you that God will not leave you alone. Ou bien ce qu'on est qu'on pas seul. You need to know that you're not alone. Chaque monde qui là. And each and every one. Ou bien qu'on n'est pas seul. You need to know that you're not alone. Qui avant là c'est l'éternel. The present as with you is God. Capacité pour le retirer au sol. Capacity to take you out of it. Ou bien quoi ça. I believe that God will si come to you. If he will pass on you, this is the way. This is the benediction God will pass and visit you. Hallelujah, man. He shook the prison. He shook the prison. Pas prison ouvri. Then the doors of the prison were open. Et la fille, pas prison ouvri. After the doors were open. Let me tell you. Que joliet prison qui ouvre pas ouvri. The person that was watching the prison. He thought that all the prisoners were escaped. And he had a resolution to take the sound. But Apostle Paul told him, you don't have to do nothing to yourself. We are here. When it's your time to be blessed, you're not to have to do nothing. It's God that will take your hand and say, it's not the man that's going to deliver you, but God will do it. And now, let me tell you,
Et then he didn't see that all the prisoner was inside. Li pose Paul ak Silas. He asked Paul and Silas this big question. Que faut-il que je fasse? Sirs, what must I do sauvé? To be saved? Qui sam nous est fait? What must I do to be saved? Le plus grand besoin de l'homme. The biggest need of man. Qui t'a pas imaginé dans l'esprit? It's what was imagined, what going through my mind. Qui ça l'homme qui grand besoin? I said, what is the biggest thing of any? Les gars parlent de geôlier prison là. When I'm talking though, men are watching. Il y a un qui gagne en pile pouvoir. It's someone that has possibility. They have a lot of society. Nous t'apercevons il pas manquer rien. It's like he doesn't need nothing. Mais but qui t'aime dire? Let me tell you. Il pose Paul à Silas. He asked Paul and Silas this question. Qui ça doit faire? What must I do to be saved? Qui ça doit faire pour sauver? What must I do? Assurément, vous même tout est capable de tout dans question ça. Even yourself the question in the situation. What must I do for me to be saved? Hallelujah. Qui ça doit faire pour m'arriver ici la vie? What shall I do so I can succeed in my life? Qui ça doit faire? What must I do? Ça que doit. To pay this debt that. Qui ça doit faire pour payer caille? What must I do to pay the house? Qui ça doit faire pour voir ti moun yo l'école? What must I do to send the kids to school? Qui ça doit faire pour travailler de famille moi? What must I do to help my family? Qui ça doit faire? What must I do? Soit pour un monde qui cher vous. Et for someone that. Et dans la situation hier. Soit c'est malade. Qui ça doit faire pour t'ajouter? Let's say you're sick. What must I do to? Pour qu'à poser des nombreuses questions. You can ask yourself a lot of questions. Because the keeper of the prison, he found himself on a position to ask questions. What must I do to be saved? Le plus grand besoin de l'homme. The biggest need of man. Le plus grand besoin de l'homme. The biggest need. Nous joignons non. We found it. Petit B. Verset 31. We find it in the part B of the second part of 30, verse 31. Paul et Silas. Apostle Paul and Silas. Répondit. So they say, wow, Seigneur Jésus, lean on the Lord, tu seras sauvé. Jesus Christ, and you will be saved. Et ta famille. You and your household. Le plus grand besoin de l'homme, the biggest need of man, c'est le besoin d'être sauvé. It's the need of being saved. Est-ce qu'on sauvé? Are you saved? Posez une petite question à l'homme. Posez une question à vous. Give a person a handshake and ask them. Demandez ça à vous. And ask them that question. Est-ce qu'on sauve? Are you saved? Est-ce qu'on sauve? Are you saved? Est-ce qu'on sauve? Are you saved? La Bible parle à soi à vous dire. The Bible spoke to me to tell you. To be saved. Gagner à peu près quatre bagages. There is approximately four things. Que bon Dieu veut connaître. That God wants you to know tonight. Ou sauvé. To be saved. Des quatre bagages. There's four things. Que bon Dieu veut connaître. That God wants you to know tonight. The first thing that God wants you to know. You need to be saved. You need to be saved. It's not, for no reason that we ask you to ask the neighbor next to you, are you saved? The first thing that God wants you to know, you need to be saved. I am telling you. When you are saved, when God rescue you, there's no combination, there's no plot, there's no saving, there's no talking a lot that can put you down. When God declares you are saved, you're saved for eternity. When God declares you are saved, you are blessed with generosity. Hallelujah. Amen.
besoin de sauver. You need to be saved. You know what guy qui fait un pile chrétien à crier, à plaigner. One of the things that cause Christians to cry and to complain. C'est une méfiance de soi. Amen. Yes. Manque de croyance de la vie pâle. When they don't believe on themselves. Let me tell you, méfiance de soi. Ça veut dire non, ils sont chrétiens, oui. Mais pas souhaitent de sauver. But they don't believe that they are saved. Ça fait. That's why. Il consulte tout le monde pour la chercher sauver. He goes and talks to everybody. To ask and say, pray for me. Save me. Il est dans l'église. That's your say. Yes, amen. Hallelujah. Yes, God. Yes, sir. Vous besoin sauvé. You need to be saved. Hallelujah. Ça c'est premier bagage que bon Dieu veut au fond. That's the first thing that God wants you. Le premier besoin de l'âme, c'est le besoin d'être sauvé. Is the need of being saved. Dans le besoin d'être sauvé. And the need of being saved. Il y a quatre bagages bon Dieu veut au fond. There are four things also that I want you to know for you to be saved. C'est pas où tu besoin sauver en soi. It's not yourself that you need. But there's something that you need. Ça arrive dans plan mon Dieu. Is in God's plan. Non soyez là. And what you are. God will not take pleasure in souffrance. God will take pleasure in suffering. God will not prolonge. And quelle situation voyez là? And if you don't take that on ladon, you take that on ladon. Tu as quitté sortir. And you cannot take yourself out. Mais quand tu te dois c'est le plan de Dieu. You have to take yourself out. That can get you out of the situation. Yes, sir. You need to be saved. That's the second thing that God would like to teach you tonight. You cannot save yourself. Amen. You need to be saved. You can't save yourself. If you could have taken yourself out of the problem right now, you should have saved yourself. If you could have saved yourself, you could want to come and say, you want to be a person. You want to be a person. You want to be a person. I want you to be a person. You want to be a person. You want to be a person. Truly, there's someone that's in a difficult situation, and God would like to take them out of it. Amen. There's someone that's seeking for deliverance. You see the way you are? God may not like the way you are. That's why I was talking to you like this. This is some situation la grâce that you are. Loin. The grace of God will go far, will pass far away from you. If you want to rejoice in the grace of God, you need to believe in Jesus. The third thing that God would like you to know. Moi, garder
dans Jérémie. I look in Jeremiah. Oh non, c'est 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Moi, je trouve que bon Dieu, la préparation, délivrance ou déjà. Already prepared, how to make your preparation. Ça veut dire, ou que ce soit bon, pas qu'à sauver ta tout. That's mean, et puisqu'on pas qu'à sauver ta tout, bon Dieu a déjà fait plein de délivrance. God already planned your deliverance. Là, il y a raison pour moi-même pour dire. Merci Seigneur. For me to thank God. Parce que bon Dieu, because déjà God fait plan de délivrance moyen. I already have the plan of my plan de délivrance moyen. The plan of my deliverance. Plan de délivrance moyen. Pas nommé mon mami, pas nommé ma mère, pas nommé frère, pas nommé soeur. Mais plan de délivrance moyen. C'est pas ma plan, ma dose, ma plan of délivrance. Et puisque plan de délivrance moyen, nommé mon Dieu, because pas qu'il qui t'a contrarié plan. There is no one that can bring that. Oh non, pas qu'il qui t'a contrarié plan. There's no one that can go against. Parce que pas tout ça vient, ça va tout là. Said it. Il m'a prédit encore. And I will say it again. Où besoin sauver? You need to be saved. Ou pas qu'à sauver d'être. You cannot save yourself. Et bon Dieu fait plein de délivrance déjà. And God already planned your deliverance. Fais cœur content. Make your heart happy. Parce que plein de délivrance moi dans. Because the plan of deliverance is in God's hands. Qui t'aime dire? Let me tell you. Ou pas quelque bagaille, quelque privilège, quelque bagaille. You don't say that's a privilege. You pas même dormir dans le you never dreams and have it. Des bagailles que bon Dieu fait pour vous, c'est pas bagaille où t'as attendu. The some stuff that God make happen for you is taking place. Même si on est dans plan bon Dieu, et on sait qu'à servir mon Dieu, et c'est ça mon Dieu c'est le point. What has happened for you will bring for you. Et une quatrième bagaille que bon Dieu voulait ou connaît. That God wants you to know. Ah, c'est ça que nous jouons dans Esaïe, chapitre 55, verset 6. That's why for an Isaiah 55, bon Dieu qui a sauvé aujourd'hui. God can save you today. Des serviteurs qui chantaient. There's a servant that sang. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Today is ne comptez pas sur demain. Not on take off tomorrow. Bon Dieu, qu'a sauvé aujourd'hui, amen. God can save you today, right now. Et pour mon Dieu sauvé aujourd'hui, amen. For God to save you now. There's something you have to do. You need to believe in God. Et quand l'apôtre Paul t'a parlé avec, when the apostle Paul was talking with the keeper of the prison, pour le dire, quoi au Seigneur Jésus, you got him to believe in God. Tu seras sauvé, toi et ta famille. What does that mean to you? Apostle Paul. Apostle Paul. L'été, parler comme ça. He's supposed to be told like this. To show the prison, the keeper of the la foi en Christ. That the best is Christ. Condition is the only condition pour to your salvation. For somebody to say, you don't have to have faith in God. To be in God. Amen. Si on n'a pas la foi, if someone has faith, how can you rejoice? Les faveurs, the favor of God. Ou pas cacher grâce pour Dieu. You will not be able to. Ou pas finir dans l'évangile. Ou pas finir dans l'église là. You will not be able to. You will not be able to. You will not be able to. Le grand besoin, the biggest need of man. Le grand besoin de l'homme, the biggest need of man.
Mais nous garder dans le jardin d'Eden, l'homme perdu. Et bon Dieu a cherché. Man was lost, and now God is looking for me. Bah qu'on est comme on sentit où? I don't know how you feel. Lors de faire rencontre avec Jésus. When you meet God. Bah qu'on est comme on sentit où? I don't know. Lors de présence bon Dieu là. When you in God's presence. Bah qu'on est comme on sentit où? I don't know how you feel. Lors de faire dans l'évangile où chanter avec Jésus. When you sing and you oh, let nous jouer avec Jésus. When you nous jouer avec richesse. We found a rest. Nous jouer avec la joie. Nous jouer avec la paix. We found la protection. Nous jouer avec la vie. Ça fait l'église. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Et quand la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça veut dire chaudier puissant. Il était quoi dans Jésus qui t'a délivré? Seulement, ce n'est pas lui-même seulement qui t'a délivré. It's not only him that was delivered. Mais famille également. But also his family. Des joints délivrés. Les gens jouent avec Jésus. When people meet with God, où sauvé? You are saved. Famille aussi. Your family is saved. Amen. Hallelujah. Et là nous prenons salut. When we take salvation, mon Dieu, pas chrétien. Lui accompagner toutes sortes de grâces. He goes with all type of grace. Dans salut, il y a une protection la donne. In salvation, vous pas besoin d'inquiéter au bout de la faire complot sous d'eau. You have to parce que vous pas capable de mettre dans la terre. Jésus est à son bon déjà. Dans salut nous. And your salvation. Le plan de délivrance. And your plan of protection. There's protection in it. L'église prospérité là. There's prosperity. Parce que Jésus Christ dit. Because dans Jean 14. Je ne vais pas quitter nous orphelins. I will not leave you orphans. Et dans Psaume 27. And Psalm 27. Même si maman. Even your mother. Papa. Your father. T'as abandonné. Will abandon you. D'être sauvé. It's the name. Et vous finissez sauvé, vous finissez comme sauvé personnel. Vous rencontrez avec toutes sortes de richesses, toutes sortes de protections. Regardez là, vous pas capable de faire mal encore. Parce que la Bible l'a dit dans Romains, chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Leur fin, je n'ai Jésus, mais vous avez bien, vous avez fait cher, l'homme pas capable de respirer la vie. La vie n'est pas capable de cela. Parce que la vie n'est pas capable de manger. Jésus, il y a acheté ton prison. Et que mon Dieu pas quitté ton prison. Il y a un café complot, il y a retiré la vie. Mais mon Dieu pas quitté, il y a retiré la vie. Ah, secret, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. Et leur fin, accepter Jésus comme sauveur personnel. La guerre. Let yourself go. Pour faire salve. For him to do what he wants with you. Je que mon Dieu capable de vous. I hope that God is going to help you. Grâce. Dieu va faire reposer à soi en paix. And et have peace. Dormi. While you are sleeping. Le Seigneur continue à parler avec. For God to continue to révéler you. And we will reveal you. Les choses cachées. The hidden things. Que bagay l'homme pas révélé. Making out. Bagay l'homme pas ouais encore. Le Seigneur can montrer you. God can show us. Que bagay caché yo. Because the hidden things. Révélé à mon qui l'a guéri l'éternel.